Encore moins bien que le premier. Je te mettrai les vidéos qui m'ont servi à me lancer et à me donner les informations dont je dispose. Je te les mets dans la description sous la vidéo, seulement c'est dans une très très vilaine langue que je ne connaissais pas, qui s'appelle l'anglais. Bon, il y a des idées intéressantes, notamment le fait de fixer ça et de fixer un morceau de bois à 45 degrés, fixé immobile, et tu amènes la pièce en coulissant sur le bout de tasseau. Donc là, je l'ai fait à main levée pour voir, parce que j'ai la flemme. Et donc, je crois que tu es censé, tu vois, 45 degrés là, présenter à 45 degrés le truc. Et la difficulté là, c'est comme c'est fait à la main, bah, c'est pas très régulier, tu vois, ça se voit. Voilà, ça se voit le bord, il n'y était pas tout à l'heure. Mais tu vois qu'il a une certaine irrégularité. Là, c'est moi qui avais tapé comme un bourricot directement avec un marteau là-dessus dès quand j'avais déballé le produit, donc j'ai pas pu le rattraper. Bon, est-ce que c'est gravissime? Je pense pas. Si je voulais rattraper ça, j'imagine que je pourrais sortir la disqueuse pour repartir de zéro. Bon, tu vois la lèvre. Je crois que quand j'ai reçu le produit, il n'y avait pas du tout cette lèvre-là. Ça se trouve, ça n'a pas du tout été fait en fait, hein. Le fabricant. Il n'a tout simplement pas affûté avant de me l'envoyer. Ce serait pas étonnant pour ce premier prix Made in China. Alors. Ça va quand même beaucoup mieux, hein. Nenni, ça n'a rien fait là. Et le troisième, c'est la combinaison des deux, je crois. Bon, la même chose que juste à la main, en rotation. Ça, c'est les premiers, ce sont les trois premiers essais, pardon, ici, et ça, c'est après. Donc c'est déjà, c'est pas encore parfait, mais ça suffira. Je pense que je vais pas m'embêter à faire des trous dans des planches. En fait, ça, c'est très pratique pour poser des œillets sur les torchons. Mais quand ça taille pas, quand ton emporte-pièce taille pas, bah, tu perds énormément de temps. Bon, là, c'est déjà beaucoup mieux. Franchement, pour l'utilité et le nombre d'œillets que je pose, peut-être deux par an, ça me va. Si vous avez des suggestions d'amélioration, manifestez-vous dans les commentaires. Pour ceux qui ont de l'expérience. Hein. Je vous mettrai les références si ça vous intéresse, si vous voulez jeter un coup d'œil de celui-là, de cet emporte-pièce et de mon lot d'emporte-pièce également. Je vous mettrai les références dans la description sous la vidéo. Vous trouverez les noms et les références précises des outils que j'ai montrés dans cette vidéo dans la description sous la vidéo.
J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à trouver des solutions à votre problème ou au moins encourager les profanes à prendre confiance et à se lancer. Si vous appréciez cette démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez l'idée de réparer par vous-même un maximum d'appareils électroniques, électroménagers, électro-informatiques, etc., je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube puisque c'est une des thématiques principales. Vont s'afficher justement à l'écran un rond, un rectangle et un carré. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes de la même veine, uniquement sur cette thématique. Elle s'appelle électroménager et électronique. Il y a beaucoup de réparations pratiques de différents objets du quotidien. Et il y a aussi quelques petites explications sur certains concepts. Quant au carré, ça c'est pour ceux qui ne sont pas trop YouTube ou qui ne sont pas intéressés par toutes les thématiques que j'aborde sur cette chaîne YouTube et qui préfèrent recevoir par mail uniquement les vidéos sur la thématique réparer des objets du quotidien, donc notamment beaucoup d'électroménager, d'électro-informatique, d'électronique, etc., etc. Donc si vous cliquez sur le carré, ça vous emmène sur une nouvelle page sur laquelle vous aurez la liberté, si vous le souhaitez, de me laisser un prénom, un pseudo, que sais-je, plus votre adresse email, et je m'en servirai pour vous envoyer uniquement les futures vidéos sur cette thématique et réparer des objets du quotidien. Bien sûr, vous pouvez vous désinscrire n'importe quand. Bien sûr, je ne partage et encore moins ne revends ces adresses email à absolument personne. C'est dans le strict respect de la réglementation générale sur la protection des données. Et surtout, je ne garde pas les informations des gens qui se désinscrivent.